forces de défense et de sécurité, développement économique et social. Dans ce cadre, monsieur le gouverneur, les forces de défense et de sécurité de la garnison de Saint-Louis ont organisé cette journée, qui est articulée en deux volets. Un volet de constance médicale gratuite avec des services de dépistage et sensibilisation sur les maladies chroniques et le sida, et un volet exposition. Le volet exposition concerne les différentes forces de catégorie de forces basées dans la garnison, à savoir les sapeurs-pompiers, les eaux et forêts, la douane, la police, le plusieurs partenaires de Sichon et le tout habitant de Saint-Louis. Je vous propose, monsieur le gouverneur Mastique, de commencer la visite par la brigade nationale des sapeurs-pompiers. Spécialisé sur les escortes de la police et la circulation routière. Donc, c'est ce qu'on fait toujours, est impliqué sur la sécurité routière. Pour l'année 2014, de janvier au mois de mars déjà, voilà les statistiques des accidents sur la route nationale 2, notamment de Kebemer à Dagana. Donc, vous voyez la brigade de Kebemer, toujours là, comme toujours, c'est en zone rurale.
On a réussi déjà ici 16 accidents pour les 3 morts, dont 9 tués et 82 blessés. Et là, c'est dû au fait que, par exemple, c'est des accidents qui sont causés dans les véhicules de transport en commun sont impliqués. Bon, à Louga aussi, ça descend un peu. 13 accidents enregistrés, 2 tués, 31 blessés. On vient à la brigade de Saint-Louis. On est en zone urbaine, toujours. Donc ça descend un peu. C'est parce que du fait que les gens n'ont pas le temps de rouler. Donc ils font toujours les excès de vitesse. À Rospetio, ça remonte encore. On a reçu 12 accidents pour les 3 mois, dont 5 tués, 44 blessés. À Richard Toll aussi, 17 accidents, dont 4 tués, 6 blessés. Et la brigade de Gana, ça descend parce que là, ça s'explique du fait qu'il y a des travaux. Il y a de la route, les gens sont en chantier, donc les gens n'ont pas le temps de rouler vite. Et là, on a reçu moins d'accidents. Donc, en gros, voilà. Monsieur le gouverneur, nous, notre préoccupation actuellement, c'est la nouvelle RN2. Il n'y a pas de dodage. Alors que sur l'autre partie de la RN2. La RN2 en construction. Voilà. Surtout les traverses d'agglomération. Surtout Rospetio, il y a énormément d'accidents. Parce que déjà, la route était un peu en hauteur. Donc, quand les gens traversent, les automobilistes n'ont pas le temps de les voir. Et ils roulent souvent très vite. On a beaucoup de tués là-bas. On a demandé après la fin du programme. C'est prévu. Ok, merci. Donc, j'ai connu simplement souvent, ils rentrent dans la scène pour suivre la scène. La scène est interdite par le code pénal, l'article 46. Donc, c'est pour permettre aux populations, une fois arrivé dans le syndicat, la personne nous touche. Voilà. La personne ne rentre dans la scène du crime. Sinon, si la scène est suivie, ça empêche les enquêteurs de faire normalement le travail. Donc, c'est ça, informer la population. Nous détenons maintenant un écrit qui est là, vous voyez là. Donc, c'est du matériel, une map peut-être des Donc là, vous avez les livraisons de trop. Au Sénégal, parce que les gens nous pensent que les gens vont. Il y a d'autres problèmes. Donc, c'est pour permettre aux populations de France et de vivre différentes sortes de notre travail. Donc, pour ça, c'est une combinaison. Donc, personne n'a le droit de rentrer dans la scène sans porter de combinaison. Donc, ça, c'est un matériel qui est rentré dans la scène des crimes. Donc, ça, c'est le matériel de dernier cri. Il y a le matériel nécessaire contenu dans la marée pour détecter les produits. Oui, oui. Ah, oui, je n'étais pas évident. Donc, ça, c'est. Il y a des châtaignants de chambre. Les cadres, on a souvent des poils dans les cultures du trésor. Vous avez la possibilité de détecter les empreintes. Oui. Vous savez, souvent les cadres, on nous fait un peu de travail, deux jours après. Donc là, on a des émissions. Voilà, avec le problème possible, on a mis la population. Quoi. Ils ne comprennent pas. C'est ce qu'on veut les faire comprendre dans la scène qui se passe là. La presse viendra ici, mais en plus, c'est le travail de poser. Il faut bien décider. Si vous savez ça, je vais. Ici, on a l'unité de forage, deux unités de forage. Donc, on a les forages, donc il y a la liste des localités qui ont bénéficié de ces forages. Donc, c'est des forages, donc la RV25 qui prend, qui creuse jusqu'à 200 mètres, et l'autre RV50 qui creuse jusqu'à 400 mètres. Avec les voitures, pour faire traverser. Là aussi, pour les. Pour le pont Bélé, on a utilisé ici un emplage spécial sur 250 mètres pour désenclaver la poche de la Falémie. Donc, il y a aussi Ida Seco sur la Nationale 5,
2014 à 2017, avec tous les exigences. Ah oui, bien sûr. Les exigences de recettes, c'est normal. Bon, ça, c'est le conteneur pour assurer. On a essayé de réduire, de faire profiter les entreprises en gain de temps et moins de charges aussi. Parce que là, il y avait des déplacements, il y avait des facteurs à payer. De plus en plus maintenant, avec l'ordinateur, on peut faire pratiquement toutes les procédures jusqu'à l'an départ. Là, vous voyez, il y avait toujours la personne, c'est-à-dire le transfert ou bien le conciliateur qui faisait des activités. Bon, maintenant, à partir de votre ordinateur, sur votre mission. Vous réglez tout. Et donc, du coup, il y a des métiers qui risquent de disparaître. Oui, c'est sûr. Ou bien ils vont se recycler. Ça, c'est du surfin importé. Mais qui est la part de Dieu. Quand on a testé, ça n'a pas de. Et on a dit yodé, non c'est du faux. Oui, oui, c'est du faux. Ça, c'est yodé. Voilà, c'est donc ça, c'est du faux. Les plus importants. Toujours ça méfie. Toujours ça méfie. C'est le seul sur le marché qui n'a pas d'yodé. Même celui-là qui a une apparence un peu répugnante à venir. Vous pouvez faire du yodé très rapidement. Faites le test. Prenez ici, mettez-le. Ouvrez. Ah, faites le test. Voilà. Ok, c'est bon. Donc, prenez les champions de ce sel un peu fignant, mais qui a de très bonnes qualités en iode. Ok, c'est bon. Si le sel est iodé. Voilà, ça c'est les comparaisons. Si il n'y a pas d'iode. Comme c'est le cas actuellement, avec ce sel importé. Maintenant, par contre, si vous mettez ici, mettez quelques gouttes ici. Non, c'est bien marqué iodé. C'est du faux, mon colonel. C'est du faux. On en a. Est-ce que Bob s'est trouillé? C'est pas trouillé. Prenez le tout là, rapidement. Attention, doucement. Ça commence à virer au violet. Donc, le sel de produit rouge, voilà. Ça, c'est iodé. C'est la fabrication. C'est exactement pour moi, bon moment dans le marché. On préfère manger le sel. Oui, on préfère. C'est mieux que le... Hein? Le... Ah, oui, je vais le temps de voir.